Et il n'y a pas que Sandrine qui soit coquette sur ce plateau. Et non, la femme parfaite est une femme coquette, mais aussi qui nous fait rire. Eh bien, c'est le bonheur, surtout quand elles sont trois. Eh oui, trois humoristes désopilantes. C'est le paradis sur notre plateau. Aussi insupportables qu'adorables, elles n'ont aucun tabou. Et surtout, elles ont beaucoup de talent. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, eh bien, les coquettes. Les coquettes sont féministes. Enfin, Stéphane, du lundi au samedi. Parce que le dimanche... Elle patiente dans le noir. Elle arrive sans crier gare. Elle m'attrape par surprise. Moi, je l'adore, elle est exquise. Elle se glisse sous ma robe. Elle y met les formes. Elle me met à genoux. Moi, je l'adore, oui, je l'avoue. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Aïe, oh, aïe, ouh, je fais tout ça pour ça, je te cuisine des anchois, je critique ta mère, tout ça, tout ça pour mon derrière, je... Revois mon ex, je porte du latex, je me fais des couettes, ça de ça pour qu'elle me fouette. Swaya, skip tiddy, skadab tap tap tap, swaya, swibidibi swibidibi lipdi, skadab tap tap tap, swip tiddy. Wow, 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 skibidibidibidibidiba, skadab tap tap, swaya. Moi ça fait, bah moi ça fait, bah moi ça fait. Du dimanche soir. Voilà, les coquettes, c'est ça. Merci, merci. Juliette, Lola et Marie, venez nous rejoindre. On va peut-être citer le pianiste, le seul garçon. Cyril, très bien, au piano, merci beaucoup. Qui a composé aussi cette chanson. Qui a composé cette chanson. Pourquoi vous avez choisi ce nom de coquette, toutes les trois? Bah, à la base... C'est évident, tout à fait... En fait, vous êtes copines dans la vie. On est amies. Mieux, plus que copines, ouais. Amies. Vous êtes amies. On s'est rencontrées toutes les trois sur le Soldat Rose, et puis on a continué à travailler chacune de notre côté. Puis c'était la comédie musicale, je le rappelle, dans ce Soldat Rose 1. Oui, exactement. Voilà. Et un jour, on a eu envie de se retrouver, on a cherché une idée. Comment? On s'est dit, tiens, si on montait un groupe. Et ensuite, il fallait trouver un nom. Bah voilà, et on s'est dit, bah comme on est trop belles, bah vas-y, viens, on s'appelle les coquettes. Voilà. Oui, très bien. Et vous avez adopté le rouge? Oui. Oui. Belle unanimité. C'est féminin. C'est féminin, c'est un peu agressif. Oui, ça rentre dedans. C'est imposant. C'est imposant. C'est érotique. Oui. Exactement. Tout à fait. Et alors, c'est vous qui écrivez les textes du spectacle, de vos chansons? Oui, de... ouais, tout à fait. On écrit, on s'est lancé pour la première fois. On s'est dit, allez, on écrit un spectacle. Et voilà, au début, c'était que des chansons. On a écrit quasiment toutes les chansons. Et puis finalement, on s'est dit, mais on a envie de jouer aussi. Donc, on a écrit les sketchs qui vont avec. Comment c'est là? C'est une démocratie participative où chaque... Ah oui, tout à fait. Comment vous faites? On doit toutes les trois être d'accord. Ah, voilà. C'est l'unanimité. Du coup, ça prend du temps. Oui. Mais du coup, il n'y a jamais l'ombre d'un doute. Oui. Quand il y a l'ombre d'un doute, on n'y va pas. Elles ont mis 11 ans à faire le spectacle. Hein. Ouais. Et vous abordez tous les sujets. Il n'y a aucun tabou entre vous. Ah non. Ça va de notre amitié à l'excision, par exemple. Voilà. Ah oui, carrément. J'imagine, et par chance, vous êtes féministe quand même. Il y a un message que vous défendez, non? Oui, en tout cas, on défend une certaine liberté. Voilà, certaine liberté d'aborder tous les sujets, de pouvoir être féministe et de se prendre une petite fessée le dimanche soir. Si d'accord. C'est pas moi qui vous la donnerai. Liberté. C'est tout ce que je voulais dire. On est quel jour, hein? Pardon. On est quel jour? On est mardi. Oh, ça va être long. C'est parfois osé, un peu coquin, peut-être trash parfois.
Non. C'est rentre dedans, c'est moi rentre je dirais. Voilà. Mais sur dedans. Tous les sujets, pas forcément que du côté coquin. Oui, oui. Oui. En fait, on a fait en sorte d'avoir un visuel très doux, très doux, très léché. Voilà, c'est jolie tenue. On nous donne le droit de dire tout ce qu'on veut. Oui. Donc forcément, c'est un peu transgressif. Oui, ah oui, oui, complètement. On essaye en tout cas. Et sur quel sujet, justement, vous essayez de... Notamment dans le spectacle, ce fameux passage où on parle de l'excision, du suicide. On parle des sujets dont on ne peut pas parler. Oui. On se demande si est-ce qu'on peut faire une jolie chanson en parlant de l'excision. Oui, c'est difficile. On essaye. On essaye. Votre public, c'est plutôt les hommes ou les femmes ? Les deux. Eh ben, on a été étonnés parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de femmes. Voilà, et en fait, il y a pas mal d'hommes. Oui. Et de tous les âges, en fait. Vraiment, c'est hyper éclectique. Et question de caractère, j'imagine que vous êtes très différentes. Ah, oui. Et si on a une qui est plus pimbèche que l'autre, une qui est... Ah oui. Vous c'est dénoncez. Marie la plus pimbèche. Oui. Oh non, c'est pas vrai. Je suis hyper gentille. Oui. Hyper gentille. Non, mais ça n'empêche pas la gentillesse. Mais les deux plus sympas, ça se voit que c'est elle. Oui. Non, mais ce qui est chouette, justement, c'est qu'on est très différentes. Parce que, du coup, le fait qu'on n'ait pas le même caractère, ça fait qu'on a un point de vue différent sur chaque sujet qu'on aborde. Il y en a qui sont plus téméraires, d'autres plus réservées ou plus prudentes. Là, c'est la plus téméraire, je crois. Oui. C'est la plus tête brûlée. Oui, c'est moi. Ah oui, vous êtes la plus vindicative. Oui, j'y vais, moi, je fonce. Oui. Quelle est la réaction ? Parce qu'une chanson pareille sur la fessée de dimanche soir, on frise avec le politiquement incorrect. Eh bien, figurez-vous que j'ai l'impression que ça parle à tout le monde. Et ça passe très, très bien. C'est-à-dire que ça parle à tout le monde. Évidemment, ça parle à tout le monde. Qui n'a pas donné de fessée ? Ah oui, on a beaucoup de réactions. J'ai jamais donné de fessée le dimanche soir. Vous en avez peut-être reçu. Eh bien, un début à tous, Stéphane. Ça remonte à un âge très ancien. Une bonne quinzaine de jours. Non, quand j'étais un enfant turbulent, voilà. Mais depuis, je ne crois pas en avoir reçu. C'est exactement celle-ci dont on parle, bien entendu. Oui, bien sûr. Il serait peut-être temps de s'y remettre, alors. Non. Mais donc, c'est vous la plus tête brûlée ? C'est moi, il paraît la plus tête brûlée. Vous y allez, rien de vous ? Moi, j'y vais. Non, mes parents m'ont appris qu'il y a un petit ruisseau. Si tu te lances, tu as une bonne chance d'arriver de l'autre côté. Donc, en général, je me lance. Très bien. Nous, elle nous embarque, on y va avec. Ah oui. Les Coquettes existent depuis plus d'un an et demi maintenant ? Oui, ouais. Premier concert en mai 2014. On avait envoyé des petits textos à nos parents, nos amis. Venez, il n'y a que 40 minutes, on a peur. Soyez sympas. Et ils sont tous venus ? Oui. Et là, au grand point virgule, il y a une très charmante salle, près de la gare Montparnasse à Paris. Vous êtes installée pour combien de temps ? Oh, bah là, jusqu'au mois de juin, et on va sûrement reprendre à la rentrée. À la rentrée, vous reprenez aussi. Oh, bah, très bien. On a qu'une envie, c'est aller vous voir. En tout cas, vous êtes absolument adorable et charmante. Donc, les Coquettes. Vous jouez le dimanche ? Merci, toujours. On joue le dimanche. On reviendra le dimanche. Pour une petite chanson de fin. Oui, avec plaisir. Avec joie. Tout sur France2.fr/CCVB. Eh bien, voilà comment ça va bien, c'est terminé. On se retrouve demain, mais on ne va pas se quitter comme ça. On va se quitter en musique avec les Coquettes, avec au piano Cyril. Mais de toute façon, les hommes aujourd'hui n'ont pas la parole. Merci à tous. Non, il n'y a pas de chef entre nous. C'est chanter choubidou bidou.